الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل ولا شبيه له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد عباد الله فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم وأذكر نفسي وإياكم أننا سنحاسب يوم القيامة لا محالة. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah Ta'ala et je vous rappelle que tous, sans exception, nous allons être jugés au jour dernier sur tout ce que nous avons fait ici-bas. Personne ne pourra échapper à l'exposition des actes. Personne ne pourra échapper au hisab, au fait que ses actes soient exposés et au fait qu'il soit jugé pour ce qu'il a fait. Allah Ta'ala khalaqana fi hadhihi ad-dunya wa ja'alaha arda mashaqqa dar bala' dar ta'ab wa amarana an namtathila bi awamirihi وأن نصبر على طاعاته وأن نصبر على ترك معاصيه وأن نصبر على البلاء بشكل عام. الله تعالى nous a créé ici-bas. Il a fait que cette vie, que cette demeure soit une terre d'épreuves et que nous devions ici-bas patienter. Patienter face aux obligations en persévérant dans leur accomplissement. Patienter face aux interdictions en continuant à les éviter et à nous en éloigner,
et patienter à toutes les épreuves qui nous tombent dessus. يقول الله تعالى في القرآن الكريم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله تعالى dans le Coran, il dit dans Surat al-Balad, en jurant par cette terre honorée, qui est la terre sainte, la terre sacrée de la Mecque, La أقسم بهذا البلد أي أقسم بهذا البلد. La parole La أقسم بهذا البلد, avec le mot La en début de phrase, les savants spécialistes de l'exégèse ont dit cela signifie أقسم بهذا البلد. Ce n'est donc pas une négation, mais c'est une affirmation qui indique qu'Allah Ta'ala jure par la terre sainte qui est la Mecque. Et ceci est un exemple parmi tant d'autres qui nous montre à quel point nous ne sommes pas capables de comprendre le Coran par nous-mêmes, même si on comprend la langue arabe. Celui qui se base sur ses connaissances en langue arabe, il va lire « La uqsimu bihad al-balad », il va dire « La », c'est un terme qui signifie la négation. Alors pourquoi ce serait une phrase dans l'affirmation? Ce sont les savants qui nous expliquent cela, et nous ne sommes pas des savants aptes à expliquer les versets du Coran sans avoir étudié au préalable l'exégèse de ces versets. Wa anta hillum bihadha al-balad. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est résident, puisque cette sourate, elle a été révélée lorsque le prophète vivait encore à la Mecque. Donc Allah jure par cette terre sacrée qui est la Mecque, sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est résident à la Mecque, est résident dans cette terre sacrée. Wa walidin wa ma walad. Et Allah ta'ala jure également par Adam alayhi salam qui est le père des humains et par ses descendants vertueux. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Nous avons créé l'être humain fi kabad, dans une difficulté. يعاني الإنسان من خروجه من بطن أمه المشاق والبلايا والمصائب حتى الممات. L'être humain, depuis le moment où il sort du ventre de sa mère jusqu'au moment où il décède, il passe par des étapes de difficulté constamment. يكابد ألم قطع المسربة. Premièrement, dès qu'il sort du ventre de sa mère, on va lui couper le cordon ombilical et c'est déjà une souffrance pour lui. Par la suite, il va se faire circoncire et c'est également une difficulté. Ensuite, il va y avoir la poussée des dents et il va souffrir. Ensuite, il va souffrir à chaque fois qu'il va tomber quand il va essayer d'apprendre à marcher. Ensuite, il va souffrir face à la sévérité de son enseignant et de son éducateur. ثم يكابد المدرسة ويكابد الاحتياج إلى الزواج. Puis il va grandir et il va ressentir une difficulté et une douleur parce qu'il va être dans le besoin de se marier. ثم يكابد الحاجة والفقر إلى المنزل. Et ensuite il va trouver également la difficulté pour avoir une maison, pour avoir un logement. ثم يكابد الأحزان والأمراض وكبر السن. Et après il va souffrir également. Il va devoir supporter les tristesses, les soucis, les maladies, l'arthrose. Et plus il va grandir, plus il va vieillir et plus il va souffrir. Et ensuite, il va souffrir au moment de l'agonie. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للموت سكرات. اللهم أعني على سكرات الموت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la mort, elle possède des douleurs, les douleurs de l'agonie. Et il a invoqué lui-même, il a dit, oh Allah, facilite-moi par rapport aux douleurs de la mort. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. أيحسب الكافر القوي من صناديد قريش. هذا اللعين الذي يحارب محمدا صلى الله عليه وسلم ويظن أنه لن يحاسب
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيحسب أن لن يقدر الله تعالى على بعثه ومحاسبته؟ Cet homme parmi les associateurs de Quraysh qui était si fort et qui nuisait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui reniait la résurrection, qui reniait le jour du jugement, le jour de l'exposition des actes, pense-t-il qu'Allah Ta'ala n'est pas puissant à le ressusciter alors qu'Allah Ta'ala l'a créé une première fois? Allah Ta'ala l'a fait entrer en existence dans cette vie dans laquelle il l'a éprouvé. Et cette personne-là, stupide qu'elle est, pense que Allah n'est pas capable de la ressusciter, de la faire vivre à nouveau pour l'interroger sur ses actes. يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالَ اللُّبَدَى. Et il a dit, cet homme parmi les associateurs de Quraysh, j'ai dépensé, كَيْتَ وَكَيْتَ, j'ai dépensé tant et tant d'argent. Dans quoi l'a-t-il dépensé? إما أنه أنفق مرائيا على عادة الجاهلية. Soit il dépensait beaucoup son argent, soi-disant pour les valeurs à l'époque de la jahiliya, mais en réalité, c'était par insincérité, pour paraître généreux aux yeux des gens. وإما أنه كان ينفق على حرب محمد صلى الله عليه وسلم. Ou alors il dépensait beaucoup pour combattre l'islam et pour combattre le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. يقول أهلكت مال اللبدا. Et il se vante et il dit, moi j'ai dépensé beaucoup d'argent. أيحسب أن لم يره أحد. Croit-il seulement que personne ne l'a vu? Ne sait-il pas qu'Allah le voit? Ne sait-il pas qu'Allah Ta'ala, rien n'échappe à sa science? Ne sait-il pas qu'Allah Ta'ala sait tout de lui et qu'il va le juger pour ses actes, pour son insincérité ou pour le fait qu'il l'a pris comme ennemi, la meilleure des créatures, l'envoyé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? ثم عد الله تعالى نعمه على الإنسان. Après ces premiers versets, dans lesquels Allah Ta'ala parle de l'associateur méchant, mauvais, fort, qui se vante et qui renie la résurrection, Allah Ta'ala lui rappelle les bienfaits qu'il lui a accordés. Alam naj'al lahu 'aynayn. Ne lui avons-nous pas accordé des yeux? N'est-ce pas que je lui ai accordé des yeux? Wa lisanan wa shafatayn. N'est-ce pas que je lui ai accordé une langue et des lèvres? Allah Ta'ala khalaqana wa a'tana 'aynayn nubsiru bihima. Allah Ta'ala nous a créé, nous a accordé des yeux avec lesquels on peut voir. Il nous a accordé une langue. Khalaqa lana lisanan nastati'u an nantiqa bihi. Allah nous a créé une langue et il a fait qu'on puisse parler, s'exprimer avec cette langue. Wa khalaqa lana shafatayn nasta'inu bihima 'ala al-akl wa an-nutq. Allah nous a accordé des lèvres avec lesquelles on peut s'aider pour manger, pour parler, pour fermer notre bouche. Tout ceci sont des bienfaits d'Allah Ta'ala. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn. Et on lui a montré les deux chemins. Bayyana Allah Ta'ala lil-insan tariq al-khayr wa tariq al-shar, tariq al-jannati wa tariq al-nar. Allah Ta'ala a montré à l'être humain la voie qui mène au paradis et la voie qui mène à l'enfer. N'est-ce pas qu'Allah a envoyé des prophètes pour nous enseigner cela? Falaqtaham al-aqaba wa ma adraka ma al-aqaba. Alors, n'est-il pas temps que cette personne, elle retrousse ses manches et qu'elle œuvre à faire ce qui va dans le sens opposé de ce que son âme désire? Ça veut dire, ne doit-il donc pas œuvrer, même s'il y a une certaine difficulté dans certaines choses, dans certains actes, dans le fait de délaisser certains péchés, ne doit-on pas faire l'effort, fournir l'effort d'obéir à Allah Ta'ala pour répondre correctement le jour où on sera interrogé dans l'au-delà? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ. الْعَقَبَةَ إِلْتِزَامُ الْمَشَاقِ الَّتِي فِي شَرْعِ اللَّهِ تَعَالَى.
que la personne, elle fournisse l'effort d'aller à l'encontre de ce que son âme désire, la facilité, la jouissance, les plaisirs et pas de travail, que de la fainéantise. Non, que la personne obéisse à Allah Ta'ala et qu'elle évite les péchés. Et sais-tu seulement ce qu'est Al-Aqaba? Sais-tu seulement ce que cet effort à fournir, ces épreuves que l'on doit franchir pour gagner le paradis? Fakku Raqaba. Par exemple, il y a le fait d'affranchir un esclave, Tahriru Raqaba. Ou it'aamun fi yawmin dhi masghaba. Yatiman dha maqraba. Ou miskinan dha matraba. Ou alors que la personne, elle se déleste de son argent, qu'elle fasse le infaq, qu'elle dépense dans la voie qu'Allah agrée, qu'elle dépense en donnant à des gens qui sont dans le besoin. Que la personne, elle donne dans la période de famine, dans la période de difficulté. Yatiman dha maqraba, soit elle donne à un orphelin, proche parent, comme ça elle donne, elle gagne deux fois les hasanettes. C'est comme deux sadaqas. Non seulement elle a fait une aumône à un proche parent, mais en plus c'est un orphelin. Elle a fait salatul rahim en donnant à quelqu'un qui est de sa famille, et en plus c'est un orphelin, donc elle gagne deux fois les hasanettes. Yatiman dha maqraba, ou miskinan dha matraba, ou bien elle donne à un pauvre, dha matraba, matrouhun fit turab. Quelqu'un qui est tellement pauvre, il est allongé par terre, sur la terre, tellement il est pauvre. Alam yakun Abu Huraira, radiyallahu anhu, min al-jou'i, yataharraku, wa huwa mustalqin ala al-ard, wa nasu yadhunnuna bihi al-junun, aw al-sara', wa ma bihi illa al-jou'. N'est-ce pas qu'Abu Huraira, radiyallahu anhu, le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les gens le voyaient, ils croyaient qu'il était fou, ou bien qu'il avait des crises d'épilepsie parce qu'il était allongé par terre et il gigotait. Et lui, il avait juste faim. Il avait tellement faim qu'il bougeait en étant allongé par terre. Les gens lui tenaient le cou, ils pensaient qu'il était fou. Donc donne à ces gens-là et tu gagneras des hasanettes. C'est ça, al-aqaba. Oui, il y a une certaine difficulté à se détacher de son argent, à dépenser dans la voie qu'Allah agrée. Mais derrière, il y a la récompense dans l'au-delà. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة الشرط في كل ذلك حتى تكتسب الأجر هو الإيمان. La condition, si tu veux gagner des hasanats en dépensant dans la voie qu'Allah agrée, en accomplissant ce qu'Allah t'a ordonné, en évitant ce qu'Allah a interdit, c'est d'abord d'être croyant. أي وكان من الذين آمنوا. Bien sûr que pour gagner la félicité dans l'au-delà, après avoir accompli toutes ces bonnes actions, il est indispensable, c'est une condition sine qua non, de faire partie des croyants, alladhina amanu, ceux qui ont cru en Allah et en son messager, watawasaw bis-sabr, ceux qui se sont incités à faire preuve de patience, watawasaw bil-marhama, ceux qui se sont incités à faire preuve de ta'atuf, à être miséricordieux les uns envers les autres, à vouloir le bien pour les autres, à penser aux autres comme on pense pour soi-même. Ce que tu ne souhaites pas pour toi, ne le souhaite pas pour l'autre. Ce que tu souhaites pour toi, essaye d'aider l'autre à avoir la même chose. Oulaika ashabul maymana. Et ces gens-là, ceux qui ont affranchi des esclaves, ceux qui ont dépensé de l'argent pour les pauvres orphelins de leur famille, ou qui ont dépensé de l'argent pour les pauvres qui sont allongés par terre, SDF. Ceux qui, bien entendu, ont cru en Allah Ta'ala et en son messager, qui se sont conseillés dans le bien, qui ne se sont pas incités dans le haram, à faire le haram, et qui se sont incités à faire preuve de miséricorde les uns envers les autres. Oulaika ashabul maymana. Ces gens-là, ce sont ceux qui recevront leur livre de la main droite. أي الذين يأخذون كتابهم بيمينهم ويقولون هؤم قرأوا كتابيه. Et ces gens-là, ils diront au jour dernier, venez lire mon livre, tellement ils seront heureux de ce qu'il y a dans leur livre comme bonnes actions. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. En revanche, ceux qui ont mécru au Coran, ils n'ont pas cru au Coran, ils n'ont pas cru dans les ayats d'Allah Ta'ala,
Les mécréants, eux, ils recevront leur livre de la main gauche, le livre de leurs actes, au jour dernier, ils le recevront de la main gauche. أولئك أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة يعني أن النار تحيط بهم إحاطة أبواب جهنم مغلقة عليهم لا يخرجون من جهنم بل يخلدون فيها إلى أبد الآبدين لأنهم لم يؤمنوا بالله عز وجل. Ces gens-là, le feu les encerclera de toutes parts. Les portes de l'enfer seront fermées sur eux et jamais ils n'en sortiront parce qu'ils ont refusé de croire en Allah Ta'ala et en son messager. Alayhi salatu wa salam. Hatha wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawza al-mustaghfirin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-tayyibin al-tahirin. أما بعد عباد الله فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم ألا فاتقوه وخافوه. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كفر عنا خطايانا. اللهم اغسلنا بالماء والثلج والبرد ولا تغسلنا بالنار يا رب العالمين. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.